Bonjour, bienvenue à l'Université Insoumise. C'est la troisième saison et c'est une nouvelle parenthèse qui sera consacrée aux retraites. Et on a mis un petit sous-titre qui est le suivant, « Les riches ne veulent plus payer ». Nous sommes face à une nouvelle réforme du système. Celui-ci devrait être universel, contributif, par points et pour plus de justice sociale et pour sauvegarder, voire sauver notre système de retraite. Pourtant, notre système ne fonctionne pas si mal que ça. Il est pratiquement financé. Il n'est pas universel, mais ça, c'est le fruit de l'histoire. Il est contributif, mais il est aussi redistributif. Et il est géré par répartition. Contributif, ça veut dire qu'on peut bénéficier d'une pension à condition d'avoir contribué au financement de cette pension. Redistributif, ça veut dire que la pension auquel on aura droit tient compte d'un souci de justice, c'est-à-dire de respecter de chacun selon ses moyens, mais à chacun selon ses besoins. Il est donc non pas à cotisation définie, mais à prestation définie. Et le principe de cette prestation définie, c'est respecter un contrat moral entre générations, celui qui était dans le programme du CNR et les lois qui ont instauré la sécurité sociale, et qui reprenait dans son préambule, on s'en est expliqué à l'université les saisons précédentes, ce que Marcel Mauss avait développé au titre de ce qu'on appelle le don et le contre-don. Donc nous allons avoir un système universel, ça commence à faire grincer des dents, notamment dans ce qu'on appelle les régimes spéciaux, on voit les agents de la RATP, et puis, chose qui peut étonner certains, on voit aussi les professions libérales, notamment les avocats, qui n'ont pas trop envie d'écouter et d'aller vers ce régime universel parce qu'ils sont assez contents de leur caisse à eux. Alors, ceci dit, ces régimes spéciaux, ça représente 3% de la population et vouloir les mettre en avant pour pouvoir sectoriser et dresser les uns par rapport aux autres, c'est une tactique de division qui est bien connue. C'est un système aussi qui va être contributif puisque chaque fois qu'on va travailler, on va avoir donc l'attribution certain nombre de l'attribution de points en fonction d'une valeur du point. C'est ce qu'on appelle les cotisations définies. Par contre, la prestation restera indéfinie, puisque la pension auquel on pourra prétendre va dépendre du nombre de points que l'on a acquis au moment où on fera valoir ses droits. Et la valeur du point va dépendre, on le sait, de l'espérance de vie moyenne de la génération à laquelle on appartient par rapport à la date où on prend sa retraite et donc l'argent qui est aussi en caisse. Alors l'argent qui est en caisse, c'est une vraie question. Parce que qui c'est qui va fixer la valeur du point pour faire valoir ses droits? Eh bien, de ce que l'on sait, ça va être le gouvernement. Et le gouvernement a tout de suite mis un élément qui est de taille, qui est de dire que les ressources consacrées aux retraites ne pourront pas dépasser 14% du PIB. Bon, tout ça, on trouve l'origine dans les traités stupides qu'on a signés avec l'Union européenne. Et pourquoi ça serait 14%? Pourquoi ça serait pas autre chose? Et puis, question de bon sens aussi, si la population vieillit, eh bien, il faudra consacrer une part plus importante au financement des retraites. Alors tout ça, c'est assez possible, on l'expliquera. Tout le monde sera concerné par cette réforme des retraites, ce régime universel. Et là, l'information est en train de faire son petit chemin, c'est que tout le monde a compris que tout le monde allait y perdre. Et donc, ce qu'il faut, c'est ce qu'on voudrait dire ici surtout, c'est aller chercher derrière quelle est la manip de fond qu'il y a. En faisant en sorte que les ressources ne pourront pas être augmentées, ça veut dire que ceux qui auront de l'épargne supplémentaire pourront se constituer des retraites, en allant soit investir dans l'immobilier, en plus comme ça fera une augmentation de l'offre, ça va augmenter les prix, donc ça pourra générer des plus-values, soit en allant sur les marchés boursiers. Alors ça tombe bien puisque notamment l'ISF a été réformé et les revenus des capitaux mobiliers ne seront plus imposables de cette manière. Donc on passera non pas de manière ouverte d'un régime par répartition à un régime par capitalisation. Par contre, ce qu'on disait au début, on voit bien que la porte est ouverte pour les riches parce qu'ils ne veulent plus participer et ils ont une solution. Ça sera de capitaliser pour leur propre intérêts en se souciant peu de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'ensemble de la population. Et donc, pour conclure, je crois qu'il faut laisser la parole à Warren Buffett qui a bien résumé la situation. Il existe une guerre des classes
et c'est la mienne qui est en train de la gagner. Voilà, alors réveillez-vous camarades, comme disait l'autre, il va falloir être mobilisé sur ce régime de retraite que l'on nous propose, qui n'a rien de juste, rien d'universel au sens justice fiscale, qui ne respecte pas le contrat moral qu'on a entre nous, issus du Conseil national de la Résistance, et qui met beaucoup d'incertitudes dans la cohésion de l'ensemble de la société d'une génération sur l'autre. Et il n'y a de toute façon pas de solution dans une démarche purement personnelle. Enfin, il faut en être convaincu. Allez, salut, à bientôt.